Salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester plusieurs combos. Donc, c'est parti. On parle bien sûr de Beyblade. Donc là, pour commencer, on va tester un combo que j'ai fait. Donc, c'est un mix de Pro Series et de Takara. Donc, Evan Pegasus, Zenith, AXN+. Et on va faire ça versus Brave Solomon 2A Extreme Plus. Extreme Dash, excusez. Donc, c'est parti. C'est 1-0 pour la Brave Solomon. Ok, le rush shoot est bien parti. Ah, elle survit un peu plus là. Est-ce qu'il va avoir un burst? J'ai eu l'impression que les wings ont enfin marché. Et oui, ça a marché. J'ai vu les wings se rétracter, puis là, ben, il a un crâne burst. Donc là, c'est 2-1. Ça va être probablement un point pour Evan Pegasus. Wow! Wow! Attends! Qu'est-ce que c'est pour celui-là? Elle s'est mis à faire quelque chose de trop bizarre. Quand on recommence. Les wings sont sortis. Ok. Attends, je viens de faire ça, qu'il n'y a pas rien de cassé. Ok, c'était rien. Oh non, Miss Lunch. Attendez. Ok, c'est parti. Passons à la shoot. Et là, on va d'abord attendre. Je crois que c'est une égalité celle-là. Oh, le beau coup! Evan va probablement burst. Mais elle tient encore, elle tient encore. Et finalement, elle gagne. Aucun crâne burst. Ça, c'est étonnant. On va passer au prochain combat. Donc, c'est Burst, Spriggan, Moon, Quattro. On va mettre Quattro en mode endurance, j'ai oublié de le changer. Versus Savior Valkyrie, Giga, Extreme Dash. Donc c'est parti, on va changer mon Quattro et on y va. 3, 2, 1. Miss Lunch. Ok, ok, allez Valkyrie. Probablement être Spriggan. Si elle se fait pas éjecter, c'est Spriggan qui gagne. Et oui, c'est Spriggan. Avec un cran. Il y a le VU là. Oh! Il y a le VU là qui est activé. Et les esprits gagnent comme qu'on pense. J'ai pas lancé Valkyrie très fort. Mais elle fait plus de dommages comme ça. En tout cas, je crois. Non, finalement, je crois plus. Excusez, je parle à mon chat. Et c'est
qui gagne, qui gagne. On fait un dernier combat, après ça on fait un autre combat de toupie. Et c'est Spriggan. Ok, on va faire un autre combat. Ça va être Greatest Raphael, Spread Dash et c'est Eternal qui est dessus versus Gatling Dragon Nexus D et Quick Dash. Donc, c'est parti! Point pour Raphaël qui a visiblement pas manqué d'endurance. Oh! Kathleen a failli s'en aller. Oh non, on va pas s'éjecter. Oh là 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 là. Oh, ça aurait été vraiment cool qu'elle fasse éjecter Greatest, mais c'est le deuxième point pour Greatest. Gatling et ce qui fait son premier point. Et Raphaël est à 2 Crown Burst. Ça, c'est vraiment rare. Son deuxième point, lui aussi. Et c'est le troisième point qui est accordé à Greatest Raphaël. À Rush Lunch, puis ça a un peu foiré. Et c'est 3-3, premier à 5, on va dire, après ça on change de combat. Pour Dragon qui fait 4-3. Point de match. Il est parti scraper. Donc le point revient à Greatest Raphaël. 4-4. Ok. Oh, il y a peu de touches. Ils se sont pas touchés, donc ça va pas faire un point à Raphaël. Oh, le gros coup. Et c'est Gatling qui remporte le match. Ok, on fait le prochain combat. Alors là, on a la reine jaune. Pourquoi on a la reine jaune? Parce que c'est un combat à 3 toupies. Alors, on va faire Burst Spriggan Moon Drift, un de mes meilleurs combos pour les tournois, versus Gold Dynamite Belial, Dégear Venture plus VS. Donc, en fait, un Belial à 2 gears. Et Savior Valkyrie Liga Extreme.
Bon, bref, c'est Spriggan versus Dynamite versus Valkyrie. Et là, ben, il faut que j'aille manger, donc je reviens. Bon, on se retrouve une heure plus tard. Bon, vous, ça a été même pas une seconde, mais moi, ça a été une heure plus tard. Donc là, on est parti pour faire les combats. Voulu partir. Oh, mais il est out. Et c'est Spriggan qui gagne. Ok. Bilial. Bélial a lâché et c'est Spriggan qui gagne encore. Oh! Bélial a fait le smash un gros coup et Bélial est out. Et c'est Spriggan encore une fois. Ok, on va faire un autre combat, comme ça je vais modifier un peu le combo de Bélial. Ok. Ok. Spriggan. Bélial. Valkyrie est out. Et c'est Spriggan. On va modifier un peu Bélial et on revient. Bon, c'est rendu une Dynamite Dragon Nexus D AX10+. Elle va avoir plus de chance contre les autres. Donc, c'est reparti. Spriggan. Bélial. C'est encore Spriggan qui a gagné. Un cran dessus Spriggan. Aucun sur Bélial et aucun sur Valkyrie. Rotation et c'est Spriggan. Maintenant, on va faire que du Spriggan versus Bélial. Et mon chat est de retour. On va jouer dans cette arène. Et je vais mettre Bélial. Je devrais avoir un ring vanish très bientôt, donc ça va aller beaucoup mieux. Ok, ça va être une fin de rotation. Et c'est Spriggan. J'ai entendu dire que elle est plus stable. Le Extend Plus, il est plus stable quand on le met en mode défense. Donc, on va tester ça tout de suite. Je ne l'ai pas lancé très fort parce qu'ils vont quand même s'égaliser en vitesse.
quelques tours pour Spriggan. Je l'ai lancé très, pas très fort. Et est parti encore, Fishna. Attends, j'arrive pas à la lancer. Non, c'est pas bon. Ah, non. Et merde. Ok. Là, devrait survivre. Et tu vas gagner. Et c'est Spriggan. Bref, les gars, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et surtout, abonnez-vous. On est bientôt 1000 abonnés, vraiment c'est fou. On est 940 en ce moment. J'attends plus qu'avoir les 1000 abonnés en fait. Puis vraiment c'est un rêve qui se réalise à cause que je croyais même pas que j'allais avoir les 100 abonnés à la base. Donc vraiment merci. Donc on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!